Roger that. Just die. Come on, let's go. Salut tout le monde, c'est X-Rouge et bonne année pour commencer, je n'avais pas eu l'occasion de vous la souhaiter avant ce début de mois de février. On se retrouve pour le test gameplay découverte de Zombie Army 4 Dead War, quatrième opus qui vient compléter de façon horrifique la saga Sniper Elite. Édité et développé par Rebellion, sorti officiel le 4 février 2020 et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Pas de note sur 20 vu que j'ai reçu le jeu légèrement en avance. On va parcourir brièvement le menu. Vous avez la campagne du coup qui vous propose de jouer en solo ou à plusieurs, jusqu'à 4 joueurs. Vous aurez 9 missions à faire, sachant que des DLC arriveront courant mois, fin de février, déjà début mars pour compléter davantage, nous donner plus de grain à moudre dans ce nouveau Zombie Army. La difficulté que vous pouvez choisir, bien entendu, vous rajoutez des défis supplémentaires pour gagner plus de consommables. Le mode horde avec des zombies qui arrivent en vague, ça ne cesse jamais. Essayez de battre votre propre record, toujours seul ou jusqu'à 4. Et les événements hebdomadaires, des missions triées sur le volet par leur campagne de développement qui nous propose chaque semaine plusieurs missions avec différents objectifs. Dans la campagne, vous pourrez choisir aussi votre propre personnage, ainsi que la difficulté facile, moyen, difficile, mais vous pourrez l'équiper de A à Z, avec son arme principale, une arme secondaire, une arme minime, ainsi qu'une arme de mêlée, avec aussi un atout et des modificateurs. Vous pouvez choisir le skin de votre personnage, bref, vous pouvez le modifier de façon à ce que vous ajoutiez une plus-value de par votre simple présence dans la game. Modifiez-le comme vous le souhaitez, pour faire un personnage qui va tendre plus vers le dégât, plus vers le support à essayer de soigner ses collègues, ou une plus-value générale pour ajouter du bouclier, de la durabilité à tous vos collègues. On va pas s'attarder davantage là-dessus, on va directement lancer une game, je scinde la vidéo pour vous éviter le temps de chargement. Je me suis donc permis de passer les brèves missions tuto, vu que le gameplay n'a pas réellement changé. Si on doit parler d'une grosse nouveauté, on va voir que Rebellion a réellement mis l'accent sur le fait d'être acculé par la supériorité numérique de nos adversaires. Beaucoup plus de zombies, beaucoup plus de vagues nous seront offertes dans ce quatrième opus. J'incarne June, l'une des trois nouvelles protagonistes qui accompagnent le héros de la saga Sniper Elite qui se nomme Carl Fairburn. Comme vous pouvez le voir, voilà, toujours jet de grenades, des atouts qui sont mis maintenant à votre disposition, des capacités. C'est entouré en rouge en bas de l'écran. J'ai un coup de corps à corps qui me permet de récupérer de la vie une fois que je le termine comme ça. Enfin, c'est plutôt une exécution, puis un coup de corps à corps qui m'assure de one-shot l'adversaire, bien entendu, si l'atout est chargé. Prends tes balles quand même. Vous avez toujours donc, forcément, ça appartient à la saga Sniper Elite, donc vous avez forcément le sniper en arme principale. À vous de mettre ou un fusil à pompe ou une arme automatique en arme secondaire, et l'arme tertiaire, c'est forcément une arme de poing. J'ai choisi le Mauser pour sa cadence de tir. Vous avez aussi le fameux M1911, ce bon vieux col des familles. Et la collate qui marche toujours autant, et ça c'est super. Après, il y a différents objets. Moi j'ai choisi des grenades, vous pouvez aussi prendre des mines terrestres. Mais en fonction de votre rôle, eh bien,
c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez prendre par rapport à vos collègues. Là, je suis seul. En effet, le jeu... Oh ! Mais je me disais, vous voyez, il y a des petits traits, des petits traits blancs autour de moi, c'est des marqueurs radars, en fait, qui vous permettent de savoir où sont les adversaires. Et je me demandais pourquoi c'était derrière moi, mais d'habitude, il y avait des ordi, des PC qui étaient en train de m'aider, mais non, en fait, on s'est fait envahir. Comme je disais, je suis donc seul, parce que je vais vous parler sans langue de bois. J'ai reçu ce jeu le 30 janvier, et ça m'a permis du coup de faire ce test là. À l'heure où je vous parle, nous sommes dans la nuit qui nous fait passer du 1er au 2 février, alors que ce jeu sort le 4. D'où le fait que je sois seul. Le matchmaking n'a pas été encore installé, mais la possibilité de faire le jeu en solo est faisable. D'où le fait que je sois tout seul, sinon bien entendu j'aurais pu vous proposer du gameplay multijoueur. Mais bon, c'est toujours aussi une prise de risque, parce que si on ne fait pas le jeu avec des amis, on peut toujours tomber sur des PU qui ne comprennent pas trop la mécanique du jeu, qui ne savent pas trop bien jouer, qui ne font pas des bonnes actions. Enfin, ce n'est pas qu'ils ne font pas des bonnes actions, ils pensent faire bien, mais par rapport à votre système de jeu, votre combinaison, votre duo, ce n'est pas quelque chose d'efficace. Il n'y a pas cette alchimie entre vous, donc du coup ça matche pas forcément. Donc je me suis dit, allez, on va proposer du gameplay solo, on va montrer au moins de quoi le jeu en retourne, pour que dès que le jeu sorte, vous puissiez vous dire, est-ce que je me prends ce jeu, merci X-Rouge, ou je ne me le prends pas, va te faire enculer X-Rouge. Le reloading est plutôt long. Non, en même temps, si je peux vous faire économiser 49€, qui est son prix, ce n'est pas le gros prix des revendeurs de jeux vidéo, il n'est pas 69,99€, c'est 49,99€, que ce soit sur PS4 ou Xbox One. Ah là là, vivement la PS5, on en entend de plus en plus parler. Vivement. Godfall me hype, et vous ? Dites-moi quel jeu sur PS5 vous attendez. Citez moi-même un jeu de PS4, hein, vu que la PS5 sera rétro-compatible, vous pouvez très bien jouer à de vieux jeux sur la PS4. Je suis sûr que tout le monde jouera The Last of Us 2 sur PS5, alors que, d'après les dates, il devrait sortir sur 4. Le système est identique. Si vous n'avez pas joué au Zombie Army Trilogy, qui reprenait Sniper Elite 1, 2 et 3 sous forme de mission zombie, comme Sniper Elite 4 est sorti, il était normal d'avoir le Zombie Army 4. Le principe du jeu est toujours le même. C'est une sorte de Left 4 Dead-like. Vous allez d'un point A à un point B, mais entre-temps, vous avez des boss, des vagues, voire des énigmes à affronter pour pouvoir arriver jusqu'au point final. Tout kill, toute action que vous allez faire, le temps que vous allez mettre, vous rapporte des points. Ces points vous sont utiles pour upgrader votre personnage, ce qui est clairement une nouveauté. Car là, on rajoute vraiment des customs pour votre arme et votre personnage. Vous pouvez le EP comme bon vous semble, en lui ajoutant de nouveaux atouts, en changeant ses caractéristiques et capacités. C'est vraiment sympa. La personnalisation a été vraiment mise à l'honneur. J'ai tiré dessus, mais je sais pas ce que c'est. Cette éolienne, là. Y a pas de vent, j'y mets des balles dedans. Faut que ça tourne plus vite, peut-être. Bon, ça a l'air de rien faire. C'est bizarre. Parce que quand c'est entouré en rouge, c'est qu'il y a une action à faire dessus. Rouge pour que ça devienne vert. Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, c'était comme ça. Toujours la possibilité de sauter avec la touche croix. Des caisses de munitions, il y en a des différentes. Là, je suis tombé sur une caisse de munitions principale qui ne me recharge que mon sniper. Vous avez la caisse d'armes automatiques, mais qui concerne aussi le fusil à pompe, et la caisse de munitions d'armes tertiaires. Ça aussi, c'est mal traduit. On vous demande pour récupérer les objets dans les caisses que j'ouvre. Certes, pour l'ouvrir, il faut maintenir carré, et pour récupérer les objets, il y a quand même écrit maintenir carré. Or, non, pas du tout. Vous appuyez juste sur carré, ça le récupère, pas besoin de maintenir. Ce sont des éoliennes qui permettent d'activer, qui fournissent l'énergie pour que le grillage qui est posé au sol soit conducteur et qu'un fil d'électricité passe.
C'est génial. Vous avez des pièges à disposition. Et ça, c'est super. Je tape souvent du pied au sol parce que j'essaie de les buter, mais je pense qu'en fait, il n'y a vraiment que le corps à corps quand l'ennemi est debout. Or, avant, quand on faisait le coup de pied au sol, c'est pas... Il n'y a pas non plus une grosse onde de choc, mais le coup de pied au sol était compté comme un mouvement qui permettait de repousser le zombie s'il était trop près de vous. Et j'ai l'impression que là, dans ce quatrième opus, ça ne marche pas. J'ai eu un peu peur d'être sur le grillage, c'est pour ça que j'ai hésité à tirer sur le deuxième. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des effets dits éphémères sur vos armes. Par exemple, je pourrais tomber sur une caisse qui me fournirait 30 balles cryo-électriques. Voilà. Ce genre de d'effet éphémère qui peut vous apporter un petit bonus durant le combat. Il y a la fumée à la porte là-bas. Ça fait un peu penser au style Dark Souls. Je ne peux pas y accéder tant qu'il y a la fumée. L'autre porte était verrouillée par un sceau satanique. Ça, c'est drôle. C'est bien foutu, quand même. Puis après, c'est... Ou le style vous plaît. Enfin, ça match ou pas, clairement. Moi, c'est le genre de jeu que j'adore. C'est vraiment... Voilà, là, j'ai un petit plus. Je récupère de la vie. Même si, bon, là, je suis au max. Mais voilà, après, il faut que le jeu vous plaise. Si vous aimez bien défourailler du zombie, seul ou entre amis, avec diverses étapes à faire, le système d'upgrade qui rajoute un petit côté RPG au style... Eh bien, si tout ça, ça vous plaît, mais franchement, foncez, clairement, moi je peux vous le dire. Zombie Army 4, c'est excellent. Je ne suis certes qu'à la première mission pour vous limiter le spoil, mais pour avoir vu plein de teasers, de trailers, de tout ce qu'on a pu en parler sur Reddit, oh, c'est magnifique. Hein. Franchement, il est... Il met une énorme feuille au précédent opus, quoi. Il est à des années-lumière devant, clairement. D'ailleurs, je connais ce passage. Normalement, il devrait y avoir... Il devrait y avoir les nouveaux ennemis. Enfin, des ennemis. Ça, c'est des nouveaux, mais il y en aura plein d'autres. Je vous présente, messieurs, dames... Les suicidaires. Tirez-leur dessus, dans les bombes pour les buter. Tirez-leur dans les jambes pour qu'ils s'écrasent au sol sans que la bombe n'explose. Pour tirer après et faire une bombe à retardement. Plusieurs styles d'appréhension de l'ennemi aussi est mis en compte dans ce jeu. Et ça, c'est pas rien. Ça peut vouloir rien dire pour certains, mais au final, ça reste quand même des heures de codage et de programming, quoi, clairement. Faut y penser à ce genre de choses. Ça ajoute clairement un style qui fait que on se lasse moins vite. Plus on met de temps à appréhender les mécaniques d'un jeu, plus on passe du temps dessus, tout simplement. J'aime bien tous ces genres de jeux où est-ce qu'il faut découvrir petit à petit. C'est bon, il y avait quelqu'un qui avait une mitraillette dans les doigts. Il me semblait qu'un zombie venait de tirer. Je sais que les boss ont des armes. Je pense pas, j'ai dû halluciner. Je me demande par contre, juste une chose, on va découvrir un truc ensemble. Est-ce que je peux faire mon attaque? Oui, il n'explose pas. Si je claque mon exécution, ça peut le... Ok, et il explose après. Très bien. Donc, pour éviter de se faire buter par un suicidaire, je pourrais claquer un de mes atouts pour éviter d'exploser. En plus, ça me fait récupérer de la vie. C'est génial, franchement. Et là encore, ce sont des atouts, des attributs qui ne concernent que June, que ce personnage-là. Chaque personnage a son propre style de jeu, comme je vous ai dit. Et ça, c'est génial. Après, je sais qu'elle a un petit truc avec un flingue, mais vous voyez, je l'ai sur moi, mais c'est cadenassé. Il y a un petit cadenas un peu transparent entre mes deux atouts. Donc du coup, son gros ulti, c'est par rapport aux armes de poing. Mais il me semble savoir ce que c'est. Il me semble savoir, et j'espère que c'était ce personnage. Parce que dans les vidéos que j'ai pu voir fin 2019, il ne me semblait pas que c'était ce perso. À moins que l'ulti puisse être mis entre tous les personnages, ça aussi, ça me fera apprendre quelque chose. Et puis mine de rien, il n'est pas... Enfin,
dites-moi vraiment ce que vous en pensez, mais il est pas dégueulasse comme jeu, clairement. C'est pas Game of the Year, on est d'accord. Mais il est vraiment, il est plutôt beau. Il est, comparé aux 3, enfin aux trilogies, il est beaucoup plus beau. Or que le trilogie est sorti sur la même console. Vous allez me dire, on est maintenant en 2020, on est sur une fin de vie de la console de la PS4, mais vous l'aurez pas, hein. Fin 2013, quand The Last of Us était sorti sur PS3, on a repoussé les limites. On a repoussé les limites de la troisième console de Sony. Tous les jeux étant capés à 720 et ce jeu ayant tout dépassé avec du 900p en qualité. La mission est terminée, donc on est dans des safe zones. Ça nous permet du coup d'avoir des. Un petit endroit pour faire une pause et s'upgrader d'ailleurs. Il doit y avoir un établi pas loin. Oui, voilà. On va mettre quelques atouts. Oh bah, ça va augmenter les dégâts. Très bien. Parfait. Ouais. Bon, voilà. Du coup, j'améliore tout ça. Et histoire de ne pas avoir toutes les missions à faire, comme je sais qu'il y a des boss un petit peu partout. Ouais, non. Moi, je vais rester avec le barreau d'honneur. Je vais à nouveau scinder et on va arriver. Je vais reprendre un moment qui précède une rencontre avec un boss. Allez, déguste toi. On y arrive petit à petit. Finalement, les safe zones sont entre guillemets numérotées. Et je sais que. Je viens à nouveau de passer une autre safe zone, une phase de gameplay entre temps, mais je sais que maintenant que je viens de quitter cette safe zone, je m'avance vers la zone du boss. Comme je vous l'ai dit, il y a effectivement à chaque fois un boss ou une grosse étape à faire pour clôturer une mission. Et c'est ce qui nous attend. Il y a un sacré bordel là-bas. Je commence à être en manque de balles d'armes automatiques. Bon, au moins ils arrivent au compte-gouttes. Qu'est-ce que. C'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui les ressuscite là? Qu'est-ce que c'est? Ah! Des balles cryo-énergétiques. J'ai pu les utiliser, mais je me suis dit, allez, on va tenter le risque, on recorde pas le passage, on le fait plus tard, en espérant retomber dessus, mais effectivement. La première balle tue forcément le zombie. Et le zombie qui est à côté se prend un petit coup d'arc électrique. S'il est assez près, il peut crever. S'il est un petit peu plus loin, il y a des risques qu'il survive. Et quand il y a beaucoup d'ennemis qui se suivent, là, on se fait plaisir. Voilà, ça tombe très vite. Bon, ils sont pas tous morts, mais au moins, on peut travel the map. Entrer dans le poste. Et encore du cryo, on apprécie. Bon, il y a encore un seau à briser. Je sais pas où il est, je l'ai pas vu. Mais on va les buter. Les fameux zombies qui sont en hauteur et puis qui tombent, qui se laissent tomber. Ah mais il est là. Le seau est là. Je vais devoir passer à cet escalier. Vous saviez que de base, le réalisateur qui a initié cette pratique du zombie est tellement débile qu'il avance même s'il y a du vide en tombant comme une grosse merde, c'était le grand réalisateur qui est décédé il y a quelque temps, paix à son âme, de George Romero. Petit point culture.
Mais bon, généralement quand on demande un réalisateur de zombies, c'est généralement lui qui vient en premier. Même si malgré tout, je pense que mon film de zombies préféré, ce n'est pas George Romero qui l'a fait. Que je me trompe pas, je crois que c'est Zack Snyder qui l'a fait. Celui qui a réalisé entre autres 300 avec les Spartiates. Je crois que c'est lui. J'espère que je dis pas de bêtises. Ça se passe dans un centre commercial. Ça a d'ailleurs été grandement inspiré par le jeu vidéo Dead Rising. Et celui-là, c'est mon film de zombies préféré. Bref, je pense que c'est lui. En tout cas, le titre, c'était Dawn of the Dead, l'armée des morts. Et ça, bon, ça, j'en suis sûr. Vous le savez, dans les jeux style RPG, quand on est dans une salle avec plein de loot, où est-ce qu'on peut se refaire une bonne santé, etc., puis après, il y a une porte, ça pue pas la merde, un peu. Hein, on est d'accord. Serait-ce la dernière cinématique ? Mais oui, nous avons un boss, un monsieur Flamiche. Bah tu tombes mal parce que moi j'ai du cryo électrique sur ta gueule. Voilà. Ah bah ça l'annihile complètement. Oui, on va viser ce qu'il a dans le dos. Déjà ? Oh ! Oh comment je suis déçu ! Est-ce qu'on... Non, on prend pas de dégâts si on va dans le feu. Oh merde ! Oh je pensais qu'il allait m'offrir plus de résistance. Genre un bon boss sac à PV. Je suis d'accord que les zombies ne durent pas plus de 2 balles, parce que normalement un zombie, ça se crève très très facilement. Mais... un boss quoi. Oh. Je suis un peu déçu. Enfin bref. Au moins. En espérant que les autres boss soient stylés. Après, suffit au pire de mettre le jeu en difficulté extrême, grave, difficile de la mort qui tue. Et je pense que voilà, le challenge on l'aura. Mais là après j'étais en hauteur. Ce qui fait que j'avais un net avantage en plus avec des balles cryo. Est-ce que le jeu se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Est-ce qu'il ferait pas exprès de nous foutre un boss un peu simple au début, pour qu'on y aille en mode bas les couilles pour le prochain, et qu'au final on se fasse get wrecked notre maman? Ce serait bien drôle s'ils agissaient comme ça. On n'a plus d'armes, enfin on n'a plus de balles dans l'arme qu'on utilise, mais c'est pas grave, on a des grenades. On défraîchit. Ah mais voilà, mais ça y est, j'ai le pouvoir. Oui, pendant qu'il faut viser, faut faire R1, oui. On va tester. Ok, donc ça met une balle qui tue directement. C'est pas ce que j'avais lu, j'avais l'impression que c'était un style à la... Comment ça s'appelle ? À la McCree de Overwatch. On pouvait en viser plein, et après ça faisait des headshots partout. Après, non. J'ai visé qu'un seul zombie aussi, en fait, je suis un peu con. Il faudrait peut-être qu'il y en ait plusieurs. J'attends que mon pouvoir remonte. Voilà. On va tenter. Oui. Oh, c'est trop classe. Oh, ce pouvoir doit être dévastateur devant une putain de vague. Après, en fonction du nombre de balles qui nous restent. Mais, wow, je vais jouer qu'au flingue avec ce perso. Ça tue. Puis le pouvoir monte plutôt vite. Voilà. Allez, on monte. Et on a terminé, du coup. Eh bien, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. En espérant, du coup, que ce... bref, test, c'était surtout du gameplay découverte. Ouh, est-ce que ce serait Hitler? Ou peut-être, je sais pas, Himmler ou Goebbels? Ce serait trop drôle. Voilà, j'espère donc que ce gameplay découverte de Zombie Army 4 Dead War vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde, et à ciao !